Petites anecdotes où tout le monde a cru que j'étais en train de raconter un mensonge alors que je disais la vérité. Quand j'étais petit, je lisais énormément de livres et j'adorais écrire. Donc à un moment, je me suis dit, et si j'écrivais mon propre livre? J'ai écrit 16 pages, m'étais donné à fond et j'étais grave satisfait du début de mon livre. Je l'imprime et je le donne à mon père et je voulais lui dire, écoute, lis ça et dis-moi ce que t'en penses. Il est encore là, il rentre à la maison, il jette mes feuilles, il me dit mais arrête de mentir, c'est pas toi qui as écrit ça, c'est impossible, c'était horrible. Dieu merci, j'ai pu trouver du soutien pour mon bouquin avec une prof à l'école qui l'a lu, qui l'a corrigé, qui m'a donné des conseils parce que mon père n'arrivait pas à croire que j'avais écrit ça. Dernière anecdote, ceux qui ont vu L'amour de la Réalité et Marbella la connaissent, c'est quand à l'aéroport de Paris, quand je passais la sécurité, j'avais ça dans mon bagage à main. Le mec de la sécurité l'a sorti et a dit mais c'est quoi ça? Toute la file m'a regardé comme ça. Oh, les gens étaient convaincus que c'était un sextoy alors que c'est un trépied pour téléphone. Si t'as une anecdote comme celle-ci, dis-la en commentaire, je sens qu'on va bien rire.